Le numéro 338, s'il vous plaît, dans la salle. 338. Le numéro 338, c'est lui ? Non ? 338, s'il vous plaît. Oui, c'est là, oui. Mademoiselle. Oui, c'est moi. Oui. Mademoiselle. Véronique, on applaudit bien fort, Véronique, s'il vous plaît. Véronique. Oui, bonjour, je m'appelle Véronique et je suis caissière à Philippe de Potin. Mais je ne compte pas faire ça toute ma vie, j'espère un jour être caissière à Mammouth. D'accord, bon. Et vous avez peut-être, comme tout le monde, un hobby ? Non, je n'ai pas de chien. Bon. Ne changez rien, surtout. Ne changez rien. Bon, on va commencer. Et n'oubliez pas qu'avec Télémagoum, il y en a plein les fouilles. Très bien. Allez, première question, s'il vous plaît. Première question. Qui ? Allez, non. Stéphanie de Monaco. Attendez, mon Dieu. Laissez poser la question et vous répondez après. D'accord ? D'accord ? J'aime bien la grande musique. J'aime bien la grande musique ? Surtout Stéphanie. Ah, Bach, Mozart. Non, Stéphanie Le Monaco. D'accord. Bon. Je répète la question alors. Qui a immortalisé le grand air de Carmen ? Stéphanie Le Monaco ! Non, bon. Non. Allez, sérieux. Deuxième question. Allez, donnez-moi le nom de la célèbre bande de terroristes allemande. La bande en Brésil. Non. Bon, Radou, vous n'allez pas vous y mettre non plus, hein, s'il vous plaît. Bon. Question cinéma. Quel acteur a interprété le premier le rôle de James Bond? Oui, Radou. Je vous dirai un truc, mais je sais pas, je vais. Je sais pas, peut-être que c'est une connerie. Ah, c'est une connerie, pas de réponse. Un point pour moi. Okay. Question littérature, attention, question littérature. Qui a écrit Les Femmes de La Fontaine ? La Fontaine. Qui a écrit Les Lettres de Mon Moulin ? Mon Moulin. Question sport. Question sport, attention. Question sport, tennis. Tennis, qui a perdu ? David Yernoval. Non. Lui, il gagne tout le temps, lui. Yannick Noah. Oui, Yannick Noah. Bonne réponse. Merci, merci. Attention, très bien. Question ethnologie. Non, vous n'avez pas, ça va aller. Question ethnologie, c'est ça. Question ethnologie. Quel est l'animal poilu qui se rapproche le plus de l'homme ? Mais oui, je vous change. Non. Allez, dans le doute, un demi-point. Ok. Attention. Question maintenant. Littérature. Ah, vous savez, public, Mais je dis bonjour à mon mari, je l'ai rencontré ce matin à tourner ma neige. D'accord. Ah, bon départ, mon ami. Ok, question littérature, donc je disais, écoutez bien. Qui a écrit Stéphanie Le Monaco ? Non. Attendez, Véronique, c'est une question littérature. Question littérature. Alors, qui est... Je répète la question. Qui a écrit Les Misérables ? Qui a écrit La Valise au Carton ? Linda de Wizard ! Oui, mais pas de question, pas de réponse. Un point tous les deux. Très bien. Ouais, bah c'est vrai, je l'accorde. Bon, maintenant, nous allons passer aux questions individuelles avec Mamadou. Oui. Mamadou, ça va ? Ouais. En forme, Mamadou. Ah, j'ai la forme comme ça, si je fais cette colonne dans la classe. D'accord. Bon, je veux dire, la pêche, quoi. Ouais,
Moi, j'ai surtout la banane. Oui, d'accord. On va laisser les fruits et légumes de côté, hein, d'accord. Donc, question individuelle, je disais. Question individuelle, je vais vous dire. Des personnages célèbres, hein, de race blanche ou noire. Vous allez me dire s'ils sont blancs ou noirs, d'accord. Ouais. Ok. On y va, vous êtes Madou. Attention, c'est facile. Attention, Madou. Top, Michel Blanc. Blanc. Bravo. Éric Blanc. Noir. Oui, Michel Noir. Blanc. Laurent Blanc. Blanc. Attention, il y a un piège. Mathieu Jasson. Lui. Oui, on va dire ça. Jouer au duel avec notre chère Véronique. Véronique. C'était facile. Oui, c'est vrai. Mais c'est très facile. Là, c'est le jeu des coups. D'accord. Oui, mais c'était facile. Non. C'était facile. Alors, Véronique, je vous donne la première moitié d'un couple célèbre, d'accord. Et vous me donnez la deuxième moitié. Je vous donne un exemple. Je vous dis Lorraine, vous me dites Hardy. Hardy. Oui. Lorraine et Hardy. D'accord. Oui. Pas de Véronique. Attention. Ouais. Stop. Roméo et Hardy. Hardy. Thank you.
Il a chanté comme un oiseau.
La princesse, Cendrillon.